Céline Bonnier, pourquoi elle? Pourquoi tu... Ben, c'était notre première idée, à tout le monde. C'est la meilleure. Céline, c'est une Formule 1. C'est de la haute performance, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu moins, un peu plus. Toujours ouverte, te questionne, hein? C'est pas, t'es pas Dieu le Père, au contraire. Puis t'as l'avantage d'avoir des bonnes réponses. Mais une fois qu'elle embarque, elle embarque. Et c'est une intuitive aussi, c'est qu'elle se jette à l'eau. Il y a des séquences où on se regarde avant de tourner, puis qu'est-ce que tu vas faire, je le sais pas. Comment je devrais le faire, je le sais pas. On essaie-tu quelque chose, on essaie quelque chose. Attention, 3, 2, 1. L'action! Des fois, c'est absolument fulgurant à quel point l'intuition, à quel point l'émotion peut sortir alors qu'elle se jette à l'eau. Puis là, elle est vraiment pure, pure, pure. Excuse. C'est ton mari. Non. Je vois pas. Ah bon? Mais je danse, par exemple. Toi, danses-tu? Oui, danser. Elle se retrouve avec Gérald Simard, qui est un espèce de personnage... Écoute, c'est un fou. T'sais, c'est un gars qui est recherché par la police, qui vient se cacher à Montréal. Il semble qu'il y a plein de places qu'on peut aller à part à Montréal. Amène mon Bob, c'est la meilleure place pour se cacher. On parlait de Gérald, tu sais, puis de la logique du personnage. C'est un évadé, mais il a compris que c'est un sursis. Que... Ça dure. Hein. C'est pour ça qu'il brûle la chandelle par les deux bouts, dans le temps qu'il y a. Tu sais qu'il allait demander du feu aux policiers. L'homme était recherché au Canada, puis il disait à quelqu'un, je vais te gager un 10, je vais aller demander du feu aux policiers au coin de la main, puis il le faisait. Mais c'est aussi ce que je trouvais intéressant, puis que j'ai gardé de la réalité, ce que la réalité m'a inspiré, c'est le fait qu'il se tire. Mais ça, c'est pas dans le film du tout, là, c'est pas... Non, parce que... On va mais pour toi, comme comédien, le fait de savoir qu'il a fini comme ça... Ça me donne toute la rêve du personnage. C'est quand même particulier, le gars qui décide que... Non, je tourne pas de mort. Qui va se tuer à la place. C'est quand même particulier, ça en dit beaucoup sur le monde. Roy a lu le scénario et il dit, moi, il y a un changement que j'aimerais faire dans un dialogue. Il y en avait plusieurs, dont un qui... Pour lui, c'était important parce que c'était ça, le personnage. Et je dis, bon, oui. On était chez Roy avec Pierre Roux, le réalisateur. Céline était là. Et Roy a dit, moi, j'aimerais ça rajouter, la première fois qu'elle rencontre ce gars-là, faut que Gérald lui dise, moi, je suis prête à travailler avec toi, là. Mais je me rendrai jamais. S'il faut que j'enlève des otages, je vais enlever des otages. S'il faut que je tue du monde, je vais tuer du monde. Mais jamais je vais me rendre. Et j'ai trouvé... En fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ce gars-là a compris le personnage encore plus que moi. T'es-tu déjà battu, pour vrai? T'es-tu déjà participé à une bagarre? Moi, j'étais gros et grand. Ouais, t'étais costaud. Pour mon âge. Ouais. Fait que là, les gens, ils disent, ah, le gros, hein, le gros, hein, le gros, hein. Paf! Mario! C'était court un peu, mais il revient. Action! Aïe, dégressif. Bob, qui est une brute, je dirais pas une brute sanguinaire, mais c'est quelqu'un qui connaît pas sa force. Et c'est ça, Bob, c'est un impulsif, c'est un compulsif. Mais tu sais, c'était le gars, un peu comme tu disais tout à l'heure, qui réfléchissait pas trop, qui était costaud, qui était fort, et qui frappe un gars, 3-4 coups de poing, le gars tombe mal, bang, il y va. Et avec Bob et Gérald, l'été 67, c'était l'été de la folie. Puis c'est une histoire de jeune aussi, tu sais. Oui, oui, ben oui. Tu sais, c'était sauté, là. 27 ans, quand elle avait 27 ans, mais Bob et Gérald étaient un peu plus vieux, mais c'était... C'était jeune quand même, tu sais. C'est pas des gars mûrs de 45 ans qui feraient ce genre d'affaires-là. C'est ça. C'est à brosse, faut-tu prendre un coup avec eux autres, là, c'est-à-dire avec ouais, en ouais, Bob, ouais, là. Ouais. Toujours en, un ouais, peu entre deux. C'est ça. Ouais. Aimes-tu ça prendre un coup de dents-vie? Je suis rendu pas loin de 45. Fait que ça s'agit. En 67, ah oui. Ah oui.
on a décidé qu'elle partait dans une espèce d'euphorie festive. As-tu ça, toi, le trac et l'euphorie d'après ou pendant? Oui, t'as le buzz, tu sais, le buzz, l'adrénaline puis le focus que ça prend. Surtout elle, en fait, c'était 30 secondes, hein, c'est rapide. Je veux dire, moi, j'ai le temps de dealer avec l'adrénaline pendant une heure et demie, mettons, un show de théâtre. Ça doit être un... J'imagine, moi, c'est comme ça, je peux me l'imaginer, j'ai jamais braqué de banque, tu sais. Ça doit être sensiblement... Ça doit se ressembler, tu sais. Pour Monique, elle le sait que là, c'est un... It's another ballgame, c'est un autre univers, c'est un autre monde. Elle s'en va avec ce gars-là et elle vit un peu sur du temps emprunté parce qu'elle sait que s'il y a un pépin, ça va mal virer. Il l'avertit et elle accepte de rentrer dans ce jeu-là. Il a fallu arrêter pendant une demi-heure parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Et là, quand ça s'est calmé un peu, tout le monde ressort, là, ça recommence. Et alors là, la solution, finalement, c'était de dire, bon, ben, s'il fait beau le lendemain, on amène le wet down, on changera ça. Et en attendant, on continue à tourner parce qu'on n'a pas les moyens de remettre des journées de tournage. Monica était en réalité un gars. Viens ici, mon petit, ça fera pas mal. Ça va aider Roy. C'est une idée de Roy, ça? Ça m'étonne pas. Hey, les gars, vous êtes sadiques. C'est le film en noir et blanc, ça, là, c'est important. Oh, oh, c'est ça! Il est fin, mon ami Roy. Le jour où on a tourné la poursuite, ouais. Juste avant, Céline et Roy sont allés vers toi, puis t'ont parlé assez sérieusement. Ouais. Et t'es allé marcher, ou je sais pas, t'as réfléchi, puis t'es revenu les voir. Est-ce que tu te souviens de ça? Bon, dans ce cas-là, c'est qu'on avait une poursuite en voiture, puis il y avait du dialogue dans la voiture. Le dialogue était pas assez long par rapport à la distance qu'on effectuait. Et comme c'était une des dernières séquences, en fait, avant la fin du film, il fallait être prudent dans le choix des mots. Parce que, bon, il se sent traqué. Et pour avoir parlé à des gens qui ont déjà eu de la police au derrière, on m'a raconté que... t'as beau être n'importe qui, là, quand ça tire en arrière de toi, puis c'est la police qui tire, et toi-même, dans la voiture, tu tires, il y a un sentiment de peur qui habite ce cockpit-là. Là, c'est... Écoute, t'es complètement décroché de la réalité, là, et tu vis sous une tension. Et donc, pour moi, c'est important, et pour les comédiens aussi, c'est important le choix des mots. Si on avait à rajouter du dialogue, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'il fallait ne pas dire? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Et qu'est-ce qu'il reste à dire dans ce genre de situation-là? Il tenait à voir ces moments-là. Puis moi, j'ai trouvé ça très intense parce que en le jouant, j'ai senti sa folie puis le taureau en elle. Monica Dimitrov, c'est une femme qui avait des rêves, une femme qui voulait changer de vie. Et c'est une femme aussi à qui on a imposé une légende. Aujourd'hui, elle fait partie de l'histoire de Montréal. Mais ça reste entre ce rêve, entre cette légende qu'on lui a imposée, entre les réalités qu'elle a vécues, un personnage insaisissable. C'est tellement intense dans l'auto quand elle dit à Gérald, on va le voir, le Mexique, mon bébé. T'sais, c'est tellement beau en même temps, c'est de l'ordre du rêve. Elle devait être un peu là-dedans, là, quand même. Il faut que tu idéalises ta vie pour pouvoir avoir le guts, l'énergie, la force de faire ce qu'elle faisait. T'sais.